Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de World of Warcraft, voilà, dans le cadre des chroniques d'une prêtresse dans WoW. Donc la dernière fois on avait commencé les quêtes dans la région des Carmines. Voilà, donc et en fait on n'avait pas pu faire l'instance le gouffre de Rachefeu. Donc du coup bah on va essayer de le faire aujourd'hui et puis bah si on peut pas, bah on continuera les quêtes dans les Carmines, je pense qu'on fera ça. Voilà. Allez hop, c'est parti. Voilà, donc c'est parti donc avec Saori. Donc on est maintenant niveau 19. Ça progresse, voilà, au bout de 10 épisodes. Bon, ça fait une moyenne de à peu près deux niveaux par épisode, c'est pas mal. Bon là, le rythme risque de ralentir, parce que bon, la progression, plus on va monter dans les niveaux, et plus la progression dans les niveaux sera lente. Pour l'instant, on progresse, c'est l'important. Enfin, je veux dire, on continue de progresser, c'est l'important. Voilà, donc je vais voir, il y a du courrier. Voilà, on a dû faire quelques ventes, on va aller voir vite fait. D'accord, on a vendu un œil du tigre. Hop. Voilà, donc ce qu'on va faire avant de s'inscrire à un donjon, on va... Qu'est-ce que vous cherchez ? Revendre vite fait ce qu'on n'a pas besoin. Alors, ça... Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on pourra le revendre. Ça, on pourra le revendre. Ça, on a mieux. Ça, on pourra le mettre au prochain niveau. Ça, non, il ne faut pas le vendre. Ça, on le garde. Voilà. On se voit plus tard. Attends. Je vais réparer l'équipement. Hop, bon, même s'il n'y avait pas grand chose à réparer. Adieu. Ici. Enfin, bon, on peut encore faire quelques bandages de lin. Et je pense qu'on va pouvoir grimper de niveau en secourisme. Enfin, c'est qu'on va aller voir à l'étage s'il n'y a pas des maîtres de fourniture de tailleur. Ouais, non. Il n'y a pas de maître de compétence premier secours. Pas ici. Donc, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On va remettre notre bateau. Alors on a fini de pêcher, c'est pareil, il faut qu'on augmente aussi la compétence pêche, enfin qu'on aille voir le maître de classe, parce que l'autre fois on avait grimpé la compétence pêche jusqu'à 75, voilà, donc du coup on va pouvoir passer de niveau à ce niveau là, c'est ça, voilà. Donc ici on va fondre du cuivre. Bon, puis on va s'inscrire tout de suite. Donc on va essayer de faire le gouffre de Rachefeu. Hein. On n'a pas pu le faire tout à l'heure. Alors on va essayer de le faire maintenant. Voilà, donc trouver un groupe. Ah, il manque plus qu'un temps. Là, il y a déjà 3 DPS qui sont inscrits. Donc là, ça devrait aller. On devrait pouvoir le faire. Juste un tank qui s'inscrit. C'était comme une fois. Avec les Deadmines, il manquait juste un tank pour s'inscrire, donc là, un tank, et c'est bon, on va pouvoir y aller. Voilà, parfait. On y va, donc le gouffre de Rachefeu, donc c'est la première instance que la horde souvent... Ah, il y a des quêtes, là. C'est la première instance que la horde fait, logiquement, et bon, voilà, avec le système de téléportation, maintenant, on peut... On a la chance de pouvoir aussi faire la quête, enfin faire l'instance. Du coup, l'instance est accessible aux deux camps, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a pris les quêtes. Donc c'est parti. Ah, ils ont déjà avancé, d'accord. Ah oui, ils sont pas traînés. Ah bah ça commence déjà la course au... Alors là... Bon, je sais pas... Armure 31, 26, bon, j'en ai pas besoin... Bon, c'est bien, je suis content, on va pouvoir faire cette instance. Tout
à l'heure, on a pas pu. Il y avait personne pour le faire. Et évidemment, les objets, ça tombe. Alors, faut que je repère le tank, donc c'est un guerrier. Okay. Je préfère les guerriers aux paladins. On voit pas que les paladins tankent mal. Mais bon, ça me rassure. J'ai juste l'habitude de soigner les guerriers. Et je pense qu'elle a dû être revue aussi cette instance. Je me souviens pas de ces mobs là, le chien là. Il est très joli d'ailleurs. J'aime beaucoup le skin. J'ai pas le souvenir que c'était comme ça. Ah bah c'est un mob, c'est un boss. D'accord. Il a pas été dangereux là. Oh joli le. Ça je vais rouler je pense. Ouais je roule. Donjon déverrouillé. Ah bah j'ai passé niveau. Fonction apprenti cavalier. Ah ça c'est bien. Je vais pouvoir acheter une monture. Et on va pouvoir faire. Il y a également une nouvelle instance qui s'est débloquée. Donc la prison du Hurlevent. Alors la prison du Hurlevent c'est aussi un classique. Au même titre que les Mortemines. Ah la prison du Hurlevent, ça c'est. C'est un des donjons. C'est un classique. Allez, on continue. Il traîne pas, faut pas qu'on perde le fil là. Ah bah voilà, c'est une corrompue, donc c'est bon pour cette quête là. Donc c'est bien, on va pouvoir avoir une monture, ça fait plaisir. On va pouvoir gagner du temps dans les. Faire des quêtes. Dans nos déplacements. C'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un boss. Non, je me suis trompé. Ouais, bon, ça va, on craint pas. Il touche le temps qu'il n'est pas touché. D'ailleurs, je pense qu'il tank à deux mains même. Ha! La cape, non, elle est pas pour moi. Bon, il y a 4 boss à tuer, donc ça risque d'être très 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 rapide. Voilà, donc du coup, comme ça on pourra continuer les quêtes après dans les carnies. Puis après ce qu'on ira faire, on ira chercher un tabard à... dans la ville des nains. Oula, un boss. Ouais, bah, je crois qu'on a déjà presque fini. Je sais pas si c'est pas le troisième ou le quatrième boss. On ira chercher un tabard dans la ville des nains, histoire de pouvoir commencer à augmenter la réputation chez les nains. Non, la maille ça m'intéresse pas, le cuir ça m'intéresse pas. Ouais, le temps qu'il tank à deux mains, quoi. C'est ça. Il a même pas mis le bouclier, il tank à deux mains. Bon, je vous explique, hein, logiquement, en théorie, un warrior qui tank avec un bouclier et une arme à une main, pas avec une arme à deux mains. Mais bon, là, on est en bas level, donc c'est pas grave. Mais la théorie, c'est ça.
on s'en fout. Voilà, lui, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Il se bat tout seul. C'est pas prudent ce qu'il fait. D'accord. Bon, je pense que c'est le dernier boss. Eh bah voilà, on a fini. Oh, un joli bateau peut-être. Non, celui-là il est moins bien que celui que j'ai. Couvre le pas. On va pouvoir valider. Ici, une nouvelle robe, mais elle va être moins bien que celle qu'on a. Bon, on la prend quand même, hein, parce qu'on la revendra. Ici. Alors, vous êtes maintenant amical auprès de Gilneas. Bon, bah, je pense que j'ai fait toutes les quêtes. Je regarde, je vérifie quand même. C'est quoi ? Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fini. J'ai fini toutes les quêtes. Oh là, bon bah c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire pour cette instance, pour le gouffre de Rachefeu. Voilà, donc bah, on va pouvoir quitter le groupe et puis retourner à nos petites affaires. Voilà, après cette interlude, bon ça a pris 10 minutes à peine. C'était très rapide. Quitter le groupe d'instance. Bon voilà, donc il va nous TP là où on était. Hop! Voilà, donc et puis bah, la prochaine fois on fera. Je vais regarder dans les donjons, du coup on est où ? Gouffre de Rachefeu c'est fait, Mortemine c'est fait, Caverne d'Alimentation c'est fait. Donc la prochaine ce sera Donjon d'Ombrecro. Voilà, ah bah on a aussi Profondeur de Brasse Noire aussi. Ah, et on a des donjons à faire, c'est bien. Alors, ici. Quête. Où est-ce que. Nous devons être prêts. Ah non, une invité de la défense de fouille. Ah oui. Il y a un sanglier à tuer là-bas. On va le tuer. Il embête une jeune femme là-bas qui fait du jardinage, je crois. C'est ça. Et je crois qu'en cadeau, elle va nous donner un bouquet de fleurs. Voilà, c'est romantique. Alors. Bah alors, voilà. Marty Jane Rose là, c'est ça. Alors, il est où le sanglier ? Le vilain sanglier qui saccage ton jardin ? Il est où ? Il est où ? Il est dans le coin, je le sais. Le bleu là-bas. Allez, viens. Viens me voir. Foie et ventre. Voilà. Ah, puis on va le dépecer. Ah non, il faut 60 ans de dépeçage. Je suis où dans mon dépeçage, voir si. Je vais regarder mémoire technique, métier, dépeçage. Dépeçage 64 plus 10. D'accord. Ah non, ça c'est minage. Ah, je suis qu'à 46 en dépeçage. D'accord. Bon, allez, on va rapporter la quête à la madame là-bas. Elle va nous donner un bouquet de fleurs en cadeau. C'est trop mignon. Je peux vous aider. Et ça, prenez soin de vous. Même pas de pouvoir magique, juste pour la décoration. On va le mettre tiens, pour regarder ce que ça fait. J'ai besoin des deux mains pour mon arme. Je ne peux pas m'en équiper. Ah.
Victor, remets ton bateau dans le... Ce sac est plein. Oh, hey, tu m'embêtes, hein. Ce sac est plein. Voilà. Pas plat, celui-là. Voilà, on a un bouc bouquet de fleurs. Ah, il est trop mignon. Bon, allez, très belle plaisanterie, on repart... Je vais remettre mon bâton, quand même. Voilà. Robe du rituel maudit. Ouais, elle est un peu moche, la robe. Je préfère l'autre, quand même. Puis elle est moins bien, en plus. Allez, donc, on continue. Ici, il y a une quête. Là-bas, au sud. Ah oui, non, là, c'est la quête avec... C'est la quête avec les combats de... Les combats de gnoll... De gnoll. Les combats de... Mascotte. Donc ici. Ici, je crois qu'il faut aller par là. Il y a des gnolls à tuer. Il y a des murlocs à tuer. Il y a un village murloc là-bas. Ouais, voilà. Je m'en souviens de ce village. Les notophones, nous devons être prêts. D'accord. Voilà. Faire les murlocs là, on a 10 murlocs à tuer. Non, c'est pas soin qu'il faut que je fasse, c'est des dégâts. Si je le souhaite, ça va pas aller. Sur 10. Oula. Vieux Chico. Ça, c'est un requin. Vartelite. Ouais, vaut mieux pas trop s'approcher quand même. Hein. Sur 10. Ce sort n'est pas encore utilisable. Ce n'est pas encore prêt. Ah, c'est ça. Ouais, plus deux, et on aura fini cette quête. Thank you.
grave, 10 sur 10. Bon, c'est bon pour cette quête. On revient à la surface. Voilà. Donc là-bas, il y a les deux quêtes à valider. On va prendre la suite. Et ce qu'on va faire, on va retourner quand même vite fait à Stormwind. Et on va aller jusque-même, on va aller jusqu'à Ironforge, donc Forge Fer en français. Ironforge, donc Ironforge, c'est quoi? C'est, je me trompe pas, je me suis pas trompé. Ouais, c'est ça, c'est Ironforge. C'est la capitale des nains. Voilà, donc c'est pas très loin de Stormwind. On va prendre le... C'est un métro, c'est ça. On va prendre le métro. On va prendre le métro, je vais vous montrer le métro de Warcraft. Il y a un métro dans Warcraft, c'est sympa. Donc ici, on va valider les quêtes et puis on va retourner à Stormwind. On va prendre, faire fondre le minerai, augmenter en pêche, en... Bonjour. Attends, on va faire ce qu'il y a à faire au niveau de... plus tard. Du craft. Besoin d'aide. De la lumière de Vénus. Voilà. Donc on reviendra. On va se TP à Stormwind. Allez, donc c'est parti. Et ça va nous permettre aussi de récupérer un tabard. Parce que là, le truc, c'est que notre tabard... Alors... Révéré, ouais, on est presque exalté, donc... Comme ça, dès qu'on aura fini la réputation... augmenter la réputation avec Hurlevent, on commencera à monter la réputation avec les nains. Et puis, on fera ça pour toutes les factions... Action là, ici qu'on connaît, voilà. Forge Fer, ouais, c'est ça, je m'étais pas trompé. Ah, ici il y a des quêtes. Une fois qu'on est passé de niveau, du coup, on a accès à des quêtes. Ah, et puis on va acheter un cheval aussi, tant qu'à faire. Vous cherchez quelque chose en particulier? Ouais, je vais trop vendre des trucs. Tant que j'ai pas besoin. Pour le cap. Ça, j'en ai pas besoin. 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 Ça, on va acheter un emplacement à la HV. Que la lumière vous bénisse. Alors, on essaie de pas trop traîner. On va aller vite s'acheter un cheval. Un plaisir de vous rencontrer. Alors. Acheter un emplacement pour une pièce d'or, ça va, c'est raisonnable. Hop, voilà, ça nous fait un emplacement plus. Ça, on va le mettre là, en attendant, ça aussi, on va gagner de la place. Tout ça, on revendra plus tard. On fera ça plus tard. Tac. Ah bah, celui-là, on peut l'enfiler maintenant. C'est prenez bien. Soin de vous. Voilà, on a un nouveau pantalon. Bon, on le voit pas parce qu'il est sous la robe. Donc, on va pouvoir vendre le vieux pantalon. J'achète et je vends. Donc celui-là pour revendre, on ne peut pas le revendre à la billet. Et donc là, ça, je vous ai pas forcément expliqué. L'équipement dans Warcraft, souvent quand on l'enfile, il devient lié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus le revendre. Que puis-je pour vous? Que la journée soit. Ah, il y a des vieilles quêtes. Ça, c'est des vieilles quêtes. On va les faire en passant, on les fera. Les quêtes Balevel, les petites quêtes... Comment allez-vous? De promenade, on va dire. C'est ça. On se balade. On se promène. Une monture, je sais plus, c'est le maître des... Un plaisir de vous rencontrer.
dresseur de mascotte, ouais, non. Maître de classe, maître des écuries. Ah bah non, mais peut-être que je peux déjà les utiliser, en fait, comme j'ai déjà acheté les... alors, ça doit être pour mascotte et monture. Voilà. Nécessite la compétence apprenti cavalier. Bah, je l'ai. Je l'ai acheté, non? Enfin, je l'ai chopé tout à l'heure en passant de niveau. Spécialisation état. Ouais, c'est bon. Non. État. T'as de... C'est là-dedans, normalement. Voilà, rendez visite à un maître de la discipline. D'accord. Ah oui, je peux le faire, mais il faut que je l'apprenne. Alors, honneur. Le maître des écuries. Adieu, la lumière sont avec vous. Marchand, maître de vol, maître de classe. C'est dans quoi? Prenez soin de vous. Ouais, mais en fait, je sais où c'est. Il faut aller à la... dans la forêt d'Halloween. Enfile les sables. La prend transformant en dragon, vous permettant de voler, de transporter un allié sur le dos. Pas mal ça. Allez, on va juste vite fait le camp des bûcherons. On va acheter notre monture. Enfin, acheter la compétence. C'est que instructrice de... Qu'appuie-je pour vous? Il faut... Ah d'accord, il faut être niveau 60. Faites un bon voyage. Regarde dans les griffons, c'est qu'il y a... Je regarde un peu. J'ai les plus belles marchandises du pays. Ouais, faut être niveau 60. Portez-vous bien. Salutations. Alors, on va aller jusque... alors qu'on se trompe pas, cours des bûcherons, c'est là. Pour l'Alliance. Ah, c'est bête, on était à côté, en fait. En étant au Carmine, en fait, on était à côté. Quasiment à côté. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, puis pour l'épisode numéro 12, bah, on fera le donjon d'Ombre Croc, je pense. L'idée, c'est de faire au moins une instance par épisode. Un donjon par épisode. Enfin, je veux dire, des donjons qu'on n'a pas vus. Voilà, entre deux moments de questage, on va dire. Voilà, c'est ça. De questage dans les zones. Donc, donc voilà, la prochaine fois, je pense qu'on fera le donjon d'Ombre Croc. Quatrième donjon de cette aventure. Voilà, bah jusqu'à présent, on a eu de la chance. À chaque fois, ça s'est bien passé. Ça n'a pas traîné, c'était même plutôt très rapide. Bon, là, c'est bien, on va pouvoir avoir une monture. Un cheval... Il y a deux types de chevaux, les chevaux 60% je crois, et 100% si ma mémoire est bonne. Allez. Il y a deux chevaux, donc normalement, logiquement, j'ai pas besoin d'acheter la monture parce que la lumière, je considère qu'il est déjà. Apprenti cavalier, 3 pièces d'or, ouais, 3 pièces d'or 40. Hein. Voilà, donc là, allez, je vais pouvoir... Youhou! Eh ben, alors ça, c'est une bonne nouvelle, on va gagner du temps.
On va gagner du temps dans nos déplacements. Ça, c'est cool. Bon, prochain, c'est niveau 40. On pourra prendre les montures 100%. Donc là, bah, on va aller... Salutations. Ce qu'on va faire. Bon, on va aller directement... On va aller directement à Forgefer et on prendra le métro pour revenir. Voilà. Pour revenir à Stormwind, je vous montrerai. On prendra le métro. Très longtemps que je suis pas allé à Stormwind. À Forgefer. Je sais plus trop de quoi ça a l'air. Est-ce que ça a beaucoup changé depuis la dernière fois que je jouais, je ne sais pas. On verra. Ah bah je suis déjà bientôt au niveau 21 d'ailleurs. Ça monte très vite l'XP. Alors au niveau des quêtes on en est où, on va faire un petit point. L'appel du héros, blablabla. C'est quoi ça? Demande du tissu. Ah oui, ça fait partie de l'objet de quête. Quête à Stormwind. Donc on va survoler des zones qu'on connaît pas forcément, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Comté du Nord, vignoble. Ah bah si, ça c'est la zone de départ, ça. Ça c'est la zone de départ. Donc là, nous, on va au plein Nord. Ah, ici, il y a des beaux paysages quand même. C'est sympa. Des zones très isolées. Ici, on est dans une zone. Cette zone-là, on ira pour très longtemps. Ce sera pas tout de suite là. Voyez, on voit même pas le niveau du boss, le niveau des monstres. Tellement c'est élevé. Oh, ici, c'est devant faire les zones 50. Il faut être déjà niveau 50-55 pour pouvoir aller dans cette zone-là. Hôtel de tempête. Voyez ici, avec des grandes statues là. C'est impressionnant. Gorge des vents brûlants. Voilà. Donc ici, donc cette zone-là, c'est un territoire contesté. C'est-à-dire, c'est un aparti. C'est ni contrôlé par l'Alliance, ni contrôlé par la Horde. C'est un territoire contesté. Donc là, dans cette zone-là, à tout moment, on peut rencontrer facilement des membres de la Horde. Gisements mithril, il y a plein de gisements qu'on peut même pas encore miner d'ailleurs, c'est des gisements haut level, des minerais haut level. C'est pour beaucoup plus tard, donc beaucoup d'épisodes. C'est pas pour tout de suite. Bon voilà, on approche de Forgefer. Cité des nains. Et donc, ce qu'on va faire, on va essayer de récupérer un tabard pour pouvoir commencer à monter la réputation des nains.
il y a une immense forge. Que puis-je faire pour vous ? Le tram des profondeurs. À très bientôt. Ouais, je mets le tram des profondeurs pour prendre le tram tout à l'heure et oh. D'abord on va se trouver celui qui donne les tabards. Je vais essayer de voir du côté de là où est-ce qu'il y a le roi peut-être. Bon, façon forge faire, on a activé le tour. C'est moins grand que Stormwind. C'est pas vrai déjà. C'est pas vrai. Grâce de vieille musique. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. On a mis la quête. Mon frère Chopin. Lui c'est le roi des nains. Murandin Ban. Comment il s'appelle ? Barbe de bronze. Voilà. Orgefer a besoin de notre sorcellerie autant que de notre. On étouffe à plus. Alors ici. Bon, c'est pas ça. Faut que je trouve où ça se trouve. Faut que je trouve où ça se trouve, c'est ça. C'est quoi ça là-bas ? Je connais pas cet endroit. Pas ce quartier là avant. D'accord. Ah, c'est une statue, on dirait une statue de place. Conseiller. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je vous écoute. À très bientôt. D'accord. Bon, je pense que par rapport à des quêtes haut niveau, enfin haut level, je sais pas du tout. C'est la première fois que je vois ce lieu, j'ai mis les pieds. On visite en même temps, c'est ça. Escalier. On s'enfonce de plus en plus. Ça va, cette histoire. Voilà. Et là, ah oui, on arrive carrément. Je crois que tout en haut, il y a peut-être la forge. Non, je vais dire, c'est. La lave de la forge. Ça mène un petit peu nulle part, je pense. Oh, allez, on revient. On revient après cette interlude de. Petite visite dans les bas-fonds d'Ironforge, de Forge de Fer. Voilà. Visite inédite. Enfin, en tout cas pour moi. Bon, ça fait toujours plaisir de. C'est aussi un jeu d'exploration à Warcraft, c'est pas qu'un jeu de combat et de contre des ennemis, il y a beaucoup d'exploration. C'est. Ça demande du temps de. Pour vraiment connaître les endroits par cœur, etc. Enfin. Je crois que c'est plutôt par là. De bien connaître le monde de World of Warcraft, ça prend énormément de temps. Et ça se fait pas en 5 minutes quoi. Allez, on remonte. Thank you.
toujours pas trouvé celui ou celle qui vend les tabards. Alors, maître des forgerons. Non, ça m'intéresse pas. Tiens, d'ailleurs, je vais voir. Minage. Je pense pas. Salutations. Encore. Ouais, non, 125. Minage, c'est... Adieu, alors. Par contre, normalement, dépeçage. Il faut qu'on trouve le tailleur de cuir, le vendeur de... tailleur de cuir, ou je sais pas quoi, là. Fournisseur de biomique. Vêtements de fond de pierre, hein. Ça, c'est le couturier. Marchandises en cuir de fin fuseau, ouais, c'est peut-être là. Parlez-moi. Il faut 50, j'ai que 46. Portez-vous bien. D'accord. Faudra que je revienne. Surveillez vos arrières. Parlez à la cathédrale. Blablabla. Ah d'accord, il y a un portail pour aller dans les terres foudroyées. Ça peut faire gagner du temps, ça. Complément mystique. Ah oui, là je pense que c'est par rapport aux enchanteurs, pour les enchanteurs. Je me souviens plus trop. Ça fait très longtemps que je suis pas venu. Les yeux fermés. Mais bon, et j'ai oublié à force, hein, forcément. Ah, ici, il y a Cordiquette. D'accord. Si c'est un HV, il n'y a rien. Du côté du... Là où on s'inscrit pour les champs de bataille, peut-être qu'il y a le fameux personnage qui donne les tabards. Ouais, voilà, du côté de la garde militaire. Plaque émail, non. Arme de Timberline, il y a plein de magasins ici. Mais... Donc ici, je vous explique, c'est l'endroit où on s'inscrit. C'est l'endroit où on s'inscrit pour tout pas long que. C'est l'endroit où on s'inscrit pour faire des champs de bataille. Bon, à l'occasion, je vous montrerai. Toutes les mascottes. Ah. Il faut que je ressuscite mes mascottes. Combattre le poulet, tiens, voilà, c'est ça. Top à longue queue. Cinq mascottes différentes.
une de cette catégorie-là. Une top. Alors, ici, émissaire Julien. Maître des chasseurs. Maître des écuries. Où est-ce qu'il pourrait être le vendeur? Maître des guerriers. Je vais demander... Bonjour! Gardez les pieds sur terre! De classe. Habille archéologie, on l'a pas appris. On va aller voir. Faites un bon voyage! Pour apprendre l'archéologie, c'est aussi un métier ça. Ça nous fera trouver celui qui vend les tabards. Là, c'est dans le hall des explorateurs. D'accord. Ah, nickel. D'abord, aller chercher la quête et après, on reviendra au hall des explorateurs. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, on peut passer par là aussi. Bric-à-broc. Comment allez-vous? À une autre fois. Il y a aussi des quêtes pour faire Gnome Regan. Je me souvenais plus de Gnome Regan. Aïe aïe aïe. Ah, cette instance, elle est culte aussi. Gnome Regan. C'est la capitale des gnomes. Ah bah, on va se faire un troisième top à longue queue. Bon, ça va aller vite. Hop, bon, alors on va pouvoir déjà capturer. Hop, voilà. Voilà, voilà. Maître des archéologues. Que puis-je pour vous? Bah, apprends-moi la médecine d'archéologie. Voilà. Adieu. Ça, alors. C'est intéressant aussi. Ça permet de récupérer des artefacts. C'est un métier qui permet de récupérer des artefacts. Et il me semble. Alors, j'ai jamais vraiment été jusqu'au bout parce que j'ai jamais vraiment creusé la question à fond, on va dire, par rapport à ce métier. Mais logiquement, on peut. Ça nous permet de trouver des objets, enfin, de récupérer des objets, etc. Enfin, ça peut être très très intéressant. Ça peut nous permettre de récupérer des objets assez rares. Donc ça peut être sympa. Ça peut être sympa ce métier. Mais bon, c'est comme tous les métiers d'en haut. C'est un métier qui demande du temps. Pour le grimper. Non, bon, le temps on l'a, hein, donc c'est pas un problème. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai pas réussi à trouver... celui qui vend les tabards. Et je vois pas où il peut être. Un plaisir de vous rencontrer. Maître de guerre. À très bientôt. Un plaisir de vous rencontrer. Où est-ce qu'on peut trouver... Ah, maître et marchand de guilde, peut-être. Faites un bon voyage! Ils vendent des tabards, alors peut-être qu'ils. Non, quoi, il y a les. Alors, non, c'est au-dessus, je vois qu'il y a deux flèches. Peut-être du côté du maître du gars qui vend le tabard de guide. On sait jamais. Le truc, c'est de tomber dessus, quoi, c'est ça. C'est de tomber sur le. Tomber sur le personnage. Castan Mune, bah, je l'ai trouvé un peu par hasard. Mais je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a un dans chaque capitale.
Syndicat royal du tailleur de pierre. Ouais, ils font des statues, effectivement, aussi. Les nains sont connus pour leur talent de sculpteur. Voilà, c'est ça. Bon, alors, il est où? J'y suis à la flèche, là, mais je vois personne. Je ne vois personne. Ah, la flèche au drapeau, je veux dire. Ah non, c'est là, à côté. Centre des visiteurs. Ah bah, en toute logique, ça devrait être là, je pense. En toute logique. Mais bon, la logique est bizarre, en défaut. Bon, marchand de tabac de ville. C'est les plus belles marchandises du pays. C'est un bon voyage. J'ai les plus belles marchandises du pays. Tabarne consortium, tabarne. Ah, voilà, peut-être. Tabarne compétition, non, c'est pas ça. Tabarne de bataille d'argent, tabarne de bataille, il faudrait pique. Je peux pas les acheter. Tabarne de compétition. Barre de guild, mais j'en ai pas, j'ai pas de guild, donc ça sert à rien. Non. Faites un bon voyage. Elle a pas le, ce que je veux. Elle a pas les, les tabards que je veux. C'est pas là, c'est pas là. Bon, bah, et puis on va pas quitter Astardé. Voilà, on va pas quitter Astardé. On va pas quitter Astardé, on va pas tarder à se quitter. Parce que ben voilà, ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. Bon, je vais voir à l'entrée de. Peut-être. À l'entrée de Stormwind. À l'entrée de Forge de Fer, peut-être, tout simplement. Non, je pense pas. Je pense que c'est à l'intérieur, mais j'ai pas trouvé où. C'est pas grave, on verra ça plus tard, et puis ben on prendra le... On prendra le métro la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ben, écoutez, je vous dis à la prochaine donc pour l'épisode numéro... L'épisode numéro 12, donc des aventures de Saori dans World of Warcraft, dans le cadre des chroniques d'une prêtresse. Voilà, allez, ciao, salut, à la prochaine.